Moi, c'est Marc-Antoine Lafrenière du gars. Dans le fond, je vais faire les Jeux du Canada en lançant du poids, du disque et du marteau. Puis la seule anecdote intéressante que j'ai, c'est que j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux en même temps que j'ai commencé ma carrière d'athlétisme. J'ai commencé en secondaire 1. Là, dans le fond, je suis dans ma 9e année. Je faisais du handball. Puis le coach de handball, dans le fond, c'était aussi le coach d'athlétisme, m'a demandé de venir essayer. Fait que j'ai aimé ça en partant, mais c'est surtout les premiers temps parce que je performais bien. Puis plus t'en fais de l'athlétisme, plus t'aimes ça. Le marteau, c'est quand même un lancer qui est très, très, très technique. Ça paraît pas, là, mais c'est beaucoup d'heures que je passe à lancer pas trop fort juste pour placer toujours les taux. Puis ça prend quand même beaucoup de vitesse. Là. On pense à la force en premier, mais pas du tout. Les lanceurs de marteau professionnels, ils vont à une vitesse assez incroyable. Là, le mouvement, c'est quand même très simple. Tu essaies de toujours garder cette épaule-là plus basse que l'autre. Si tu fais le grand mouvement le plus long possible de ce côté-là, OK? Ensuite, deuxième mouvement, tu tournes ton épaule, garde ton épaule basse pour aller comme regarder ton marteau. Ouais. Ça fait des années que je m'entraîne, mais je coach aussi au club d'athlétisme de Sherbrooke depuis 5 ans. Je coach les plus jeunes, 12-17 ans. Je pense que ça fait partie de la job qu'on a à faire. Des couches? Ouais. Là, j'ai amélioré mon PB cette année. Je suis rendu à 61,64 m. Puis par exemple, aux Olympiques, ça se gagne aux alentours de 80 mètres. Dans les deux dernières années, j'ai remporté 2 médailles d'argent au disque. Là, j'ai été sélectionné pour le jeu de la francophonie mondiale. Ça va être ma première compétition internationale. Fait que ça, c'est quand même un gros pas dans ma carrière. Mon objectif à long terme, pour le moment, c'était les Jeux du Canada. J'avais tellement trippé déjà à Sud 2009, alors que j'étais le plus jeune, je connaissais à peu près pas l'équipe, je savais que j'avais aucune chance. Là, être comme ici à Sherbrooke, devant ma famille, devant mes amis, être dans la meilleure position pour performer, ça va être un thrill incroyable, vraiment.